Salut les ploucs, j'espère que ça va bien de votre côté. On va se faire le premier jeu du hasard de 2024. Donc c'est-à-dire que je vais me bander les yeux et je vais aller un petit peu à droite, à gauche, en bas et s'arrêter sur Kate qui est déjà pris. On va s'arrêter sur Maestro, mais pas Kimpembe. Bah écoutez, ouais les gars, j'espère que ça va, que de votre côté tout va pour le mieux. En vrai, Maestro, c'est un super choix pour contrôler un petit peu le long couloir, sachant qu'il a trois caméras en plus, donc c'est une très très bonne chose. Là, fallait pas renforcer, ça commence. Moi, je m'énerve pas. On va s'en mettre une là pour contrôler ce long couloir ici. Et puis forcer à nous. J'ai dit forcer à nous, les gars. Oh et Baliza. Force à nous plutôt. Ouais, un petit jeu du hasard, ça faisait tellement longtemps qu'on en avait pas fait un. J'en fais pas souvent, les gars, parce que franchement, je trouve qu'il faut pas non plus abuser des bonnes choses. Quand tu fais un truc tout le temps, encore et encore, à un moment donné, tu vois, ça perd un peu de sa saveur. C'est comme si tu manges du quick tous les jours, à un moment donné, tu vas plus en pouvoir. D'ailleurs, en vrai, les gars, j'ai un débat qui n'est pas un débat, c'est plutôt une affirmation. Le quick, ouais, le quick tabasse le McDo, faut le dire. Voilà. Ok, 4v5. À défaut de parler de quick, on va se concentrer un peu. Parce qu'effectivement, c'est rentré au niveau du long couloir. T'as qu'est-ce qu'ils font les deux au même endroit? Ils vont se prendre une flash, ils vont se faire rush et mourir. Je vous le dis, c'est écrit, il y a Termite au-dessus de moi. Est-ce que les alliés morts vont penser à prendre les caméras? Non, ça c'est trop compliqué de prendre une caméra. Il y a un mec dehors. Et ils ont pas percé le T1, donc ça c'est une très bonne chose. Mais il y a Kali, je crois, en fond de carte là-bas, Frost. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, c'est bon. Vas-y, Fenrir, vas-y, vas-y, mon gars. Oh, on est drôlé. Oh, ce que je lui ai mis. Boum, tête. Ce jeu du hasard commence assez bien, les gars. Franchement, là, tu te mets là avec Maestro, t'as ton bac. Là, ici, il aurait fallu faire une petite rota, mais tu peux contrôler tellement bien la zone, comme dirait Jules. Allez, rentrez, c'est H. Oh, ce qu'on leur met ! Somme pure. J'ai envie de vous dire que pour l'instant, le jeu du hasard nous a plutôt bien porté chance avec Maestro. On va se mettre kayak en bas, et puis écoutez, on va essayer d'avoir un bon agent. Tubao, c'est bien. Tubao pour les intimes. Il y a un débat en vrai, soit la MPX, soit alors la R15. Moi, je vous mens. Pardon, j'ai roté. Ça pue. Je vous mens pas que je préfère la MPX. J'ai un peu de mal avec les DMR sur R6. Normalement, un DMR, c'est fait pour niquer des mères, ben, je n'y arrive pas. Ah oui, aussi, si on pouvait se faire un objectif de like, les gars, ça serait cool. Allez, soyons gourmands comme Gridlock. 4000. Ça me semble être faisable. Si la vidéo a 4000 vues, pourquoi il n'y a pas 4000 likes? C'est ça, c'est un truc que je comprends pas. C'est parce que vous avez la flemme, les gars. Désastreux. Je vous jure qu'un like, c'est gratuit. C'est pas comme si je suis un horrible streamer à vous demander de vous sub pour jouer avec moi. Là, c'est vraiment atroce. Ouais, il y a des gens qui font ça. Je crois qu'il y en a encore un, en fait. Il est derrière le truc. Vas-y, passe à droite, mon cochon. Vas-y, vas-y, juste là. Là, c'est la tête, là. Vas-y, vas-y. C'était un petit peu plus à côté. Là, c'est le spawn kill ténébreux ici. Hein. Je crois que, mais il y en a encore un. Ah, mon recul. Oh, merci. J'ai pas l'habitude. Oh, tu es mort. C'est Yana. Bien joué, ils l'ont eu. Franchement. Ah non, je suis derrière le mur. C'est pas normal. C'est pas normal, les gars. C'est pas normal. J'ai l'impression d'avoir de bons alliés aujourd'hui. Un mec, il vient me mettre un doc. Je suis choc-barre, les gars, choc-barre de baiser. Non, mais aussi par rapport aux streamers, je parlerai un jour de ces streamers dans mon livre que je suis en train d'écrire. Merde, mais je suis bête, il n'y a pas d'agent. Alors, attendez, on va spawn celle des cartes, et là, on va choisir notre agent. En vrai, oui, je parlerai de streamers concernés, Rookie Balboa, qui font des fausses cagnottes en ligne pour diverses, entre guillemets, associations, pardon, et qui, au final, gardent l'argent pour eux. J'en ai vu des choses. Ouais, c'est... Ouais. Un jour, je vais vous pop une vidéo, les gars. Ça va être mieux que Avenger Endgame. Je crois que vous n'allez pas être prêts pour cette vidéo de Barjo. Elle arrivera. Un jour ou l'autre, quand ce sera le moment opportun. Là, c'est ici, généralement, le spawn kill magique. Ouais, tu vises le petit camion blanc et t'attends qu'il y ait des pieds qui viennent. T'en auras forcément un. Ouais, là, t'as vu, il y en a un. Maintenant, est-ce qu'il va arriver à gauche ou à droite? Il y en a deux. Deux, les gars. Non, j'ai pas eu de shoot, là. Fuis! Fuis! Fuis, Rookie! Mais qui c'est qui fait ça? Je retire ce que j'ai dit! Mes alliés sont un peu zboub. Mesurez votre vocabulaire. Ah, mais j'ai une trop grosse sensi dans le viseur, c'est pour ça. Regardez-moi comme c'est... Oh! Alors lui, ah, ma sensi elle est pas bonne là, elle est trop élevée. Moi j'ai fait le choix, les gars, de changer mes sensi récemment et de passer sur une sensi basse. Oh là là, mais ce qu'on leur met. Les gars, je l'ai vu la lumière, les sensi basses c'est vraiment la clé. Personnellement je me régale avec ma sensi toute basse, mais par contre celle-là j'ai oublié de la changer. C'est au niveau de la lunette ici, alors attendez. Ouais c'est la 2.5, faut que je la mette plus basse, là. Ah non c'est pas la 2.5, c'est la 2.0, je vais la mettre à 25, je pense que... Ouais, c'est mieux. Attends, il y a un ping rouge à 17 mètres qui est rentré, là, tu vas me dire? Ah ouais? Dans mon viseur, encore une fois.
Ouais, rochroming, les gars, c'est une passion qui m'a été transmise de génération en génération. On se régale. Non, mais vous trouvez pas que c'est un truc de ouf de faire semblant que tu vas donner à une œuvre caritative en demandant des dons avec une cagnotte à tes abonnés pour au final derrière garder l'argent pour toi? Vous trouvez que c'est normal ça ou que c'est pas un comportement de gros FDP sauvage? Je pense que la question, en fait, j'ai même pas besoin de vous la poser parce que je connais déjà la réponse. Allez, on va spawn voilier et puis les gars, vous avez vu, je triche pas, je fais vraiment au pif, hein. Je sais pas si vous voyez bien là dans la caméra. Ibana, oh Ibana, c'est pas mon agent préféré, les gars. Fut un temps, ça l'était, je vous l'accorde, mais beaucoup moins maintenant. En vrai, de toute façon, je vais vous faire une confidence, les gars. Que ce soit le monde de YouTube, le monde, tu sais, de l'industrie de la musique, l'industrie, entre guillemets, dans la restauration et tout. C'est la même daube de partout, les gars. Des gens que vous allez apprécier, vous allez vous rendre compte au final que c'est des gros pointeurs, ou certains que c'est des gros drogués. Non, mais vraiment, je vous parle sérieux. C'est, en fait, le monde d'Internet, fiez-vous à personne. Et vous allez bien, mais toi, on peut se fier, c'est pas la question. Je vous répondrai oui, parce que moi, j'ai rien à me reprocher. Mais de manière, entre guillemets, générale, le monde de YouTube, d'Internet, c'est rempli de pointeurs, c'est rempli de trucs de ouf, hein. De gens malhonnêtes. Et ça, quand t'es gamin, quand tu suis des youtubeurs, tu te rends pas forcément compte de tout ça. Tu sais pas que ça existe. Et ensuite, comme c'est un milieu qui est un peu fermé, si je peux dire, tu te rends compte de tellement de choses. Ok, elle est à terre, je crois. Ah, le pulse, il est à 42 mètres. Il faut que j'aille prendre le diffuse. Elle va aller se faire réanimer. C'est sûr. On y va. Oh, il m'a toujours grave mon kill. Oh, mais tu peux pas tuer celui-là! Au lieu de tuer le mec à terre, non! Tu peux pas tuer le Tachanka! Ah, fait bref. Nulard! Et le pire, moi, ce qui me fume, entre guillemets, dans ce monde de YouTube, c'est les abonnés, entre guillemets, qui suivent des personnes aveuglément et qui vont les défendre corps et âme, alors qu'il y a des preuves que c'est des pointeurs, tu vois ce que je veux dire? Ils sont là encore à leur tailler des dopes de la bouche, là. C'est un truc, ça, je comprends pas, en vrai. Si t'as la preuve que quelqu'un, c'est un pointeur ou quelqu'un de malhonnête, il y en a. Je sais pas, boycotte-le. Et en vrai, il y en a, ça leur donne plus de force qu'autre chose. Des fois, dénoncer quelqu'un pour... Enfin, d'être un pointeur, ça va lui rapporter plus que ce que normalement il doit perdre, en fait. Et c'est un truc, ça rend ouf, les gars. Ça rend zinzin. La France, hein, j'ai pas peur de le dire. Certains vont trouver que c'est choquant ce que je dis, mais la France est un pays de pointeurs. Je vous l'ai dit. Quand tu vois les lois, comment elles sont faites, quand tu vois les sanctions pour ces personnes, c'est vraiment un pays de pointeurs. Vous avez des pays en Asie, quand il y a des preuves de pédophilie, de pointeurs, de ce que tu veux, vous allez dire que c'est radical comme solution ce qu'ils font. Et oui, vous avez raison. Mais il y a exécution pour certains sur les places publiques, les gars. C'est un truc de zinzin, c'est vrai, mais c'est pour moi, c'est mérité. En France, les gars, un mec va moins prendre un pointeur, il va moins prendre cher qu'un mec qui va voler dans un Auchan. Oh, il m'a fait... Ah, mon cœur. Oh, il m'a fait peur. Je trouve que c'est une dinguerie. Un mec qui va voler un sandwich va prendre plus cher qu'un pointeur. Vraiment inquiétant. Bienvenue en France. Et ça, c'est ces trucs de pointeurs, de pédophilie ou je sais pas quoi, ça date pas d'hier, les gars. Je vais vous donner une anecdote, c'est à l'époque, et je m'en rends compte, entre guillemets. Je m'en suis fait la réflexion, en fait, l'autre fois. Ah, Gridlock, elle a été ban. Je jouais à Habbo Hotel, à l'époque. Vous connaissez Habbo? Oh, montagne. Oh, tout le monde connaît Habbo Hotel, de nom au moins, je pense, parmi vous. Et je vais vous expliquer une anecdote, mais de zinzin. J'ai commencé à y jouer à Habbo, la première fois que j'ai créé mon compte, c'était en 2011. Non, c'était fin 2010, les gars. J'étais en CM2 à l'époque. Ah, j'étais jeune quand même, hein, CM2, les gars. Mais pour le coup, l'anecdote que je vais vous raconter, elle s'est passée sûrement 2012 ou alors 2013. J'étais un peu plus vieux. Et en fait, sur Habbo, à l'époque, t'avais du roleplay, c'est-à-dire que tu pouvais incarner, admettons, un policier, un mafieux, bref. Il y avait du RP. On peut appeler ça comme ça, GTRP. Vous connaissez GTRP? Bah, à l'époque, tu pouvais faire ça sur Habbo, mais voilà, sur Habbo, et non pas sur GTA. Et en fait, avec des collègues, nous, on faisait du RP mafieux. C'est-à-dire qu'on se prenait pour les Tony Montana de Habbo, bref. Et en gros, à l'époque, tu devais t'inscrire sur un forum pour faire partie, entre guillemets, de ce RP. Et la mafia, ça fait con de dire ça, hein, mais la mafia là, sur laquelle on appartenait, et en gros, il y avait des membres dans cette organisation, c'était des mecs très vieux, enfin très vieux. Moi, j'avais 12, 13 ans, les gars, et eux, ils devaient en avoir, allez, 30. Et wow, on a pris le moins de... Et je me rappellerai toujours d'un truc, c'est en gros... Il y avait un mec en message privé, il nous demandait des photos de nous pour, tu sais, prouver notre identité, etc., etc. Et nous, tu sais, on était un peu naïfs, on n'était pas non plus bêtes. Et sauf qu'il y en a un collègue parmi moi... Attends, faut que j'arrive à gagner mon duel. Mais sauf qu'il y a un collègue parmi nous, on va mettre un C4, allez. Il a envoyé la photo de sa tête, de son identité, etc. Et il se trouvait, que le mec en question qu'il a reçu, c'était un gros pédo, les gars. C'était un pédophile, mais gay, en plus.
Bon, il a le droit d'être homo, hein, c'est pas ça le problème. Mais il était attiré par les petits garçons. C'est quand même inquiétant. Et il lui demandait des photos après de lui à poil, mais c'est parti loin. Là, le père en question de mon pote, il a voulu retrouver l'adresse du mec en question. Ah ouais, non, c'était parti tellement loin. Et je me rappelle que ma mère, bah, à cette époque, après, quand elle a su ça, elle voulait plus que je joue à Abo. En soi, je la comprends. T'es là, t'es gamin, tu t'amuses à un jeu tranquille, et non, tu te rends compte en fait que derrière, t'as des gros pédos en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça date pas d'hier. Et que la France, malheureusement, c'est un pays qui est gangréné par ça, et ils continuent de le faire parce que les lois font que ça leur permet de continuer à le faire, parce que les lois sont nazes. Il faut dire les termes, les lois concernant ça, elles sont complètement pourries. Et malheureusement, dans le monde d'internet, les gars, c'est exactement la même chose. À chaque fois, je me fais avoir. Le monde d'internet, c'est pareil, surtout maintenant, en plus en 2024, t'en as, ils se sentent impunis et continuent de faire ce qu'ils font avec des mineurs. Putain de problème. Et les gens disent que le milieu de YouTube est rempli de pointeurs, de pédos, de ce que tu veux, c'est réel. Mais croyez pas que c'est que YouTube, c'est de partout pareil. C'est tout simplement le oh, fumier, c'est le monde qui est gangréné, les gars. Moi, je sais qu'un jour, si j'ai un enfant, bon, chose qui est peu probable parce que je ne veux pas d'enfant, mais si on part du principe que je peux avoir l'éventualité d'en avoir un et qu'il est victime de ça et que j'ai connaissance et que je sais qui c'est qui fait ça, qu'il y a des preuves que c'est avéré ce que tu veux, mais les gars, comment tu veux ne pas avoir une envie de meurtre? Et tu vois, admettons, tu vas te mettre dans ce schéma de configuration. T'es un père de famille, t'as ton fils ou alors ta fille qui est victime de ça, et tu as la preuve d'une personne qu'elle lui a envoyé des photos de sa vieille quéquette, que le mec il a 40 ans et que ton enfant il en a allé, je sais pas, 14, 15, 16, qu'il est mineur. Et que ensuite, toi, père de famille que tu es, tu vas aller voir cette personne pour lui casser la gueule, et bah c'est toi qui va être en tort et qui va avoir des problèmes avec la justice. Alors que le mec a fait des choses très sombres, c'est toi qui vas avoir des soucis. Bienvenue en France. Eh oui. Bon, ce que je prends. Singerie. Y'a un mec sous la fenêtre, les gars. Oh, il est là. Il est plus là. Et certains vont se dire, ouais, mais... Pourquoi tu veux pas d'enfant? Parce que les gars, déjà d'une part, c'est égoïste, mais m'occuper de quelqu'un, j'ai pas envie. M'occuper de mon chien, c'est déjà une corvée, alors imagine un enfant. Mais surtout parce que le monde, il est atroce, les gars. Qu'est-ce qu'il fait là? Il sort d'où? Tu sors d'où? Bah, je sais que vous aimez bien quand on fait un petit peu des débats en vidéo. Nomade, ça fait longtemps. Non, je vais pas vous mytho que j'aime bien aussi, tu vois, c'est un autre aspect de vidéo. Quand tu compares les vidéos de maintenant et les vidéos d'il y a 2-3 ans, ou même peut-être plus 4 ans, allez, il y a un gouffre, les gars. Il y a vraiment un gouffre, et tant mieux. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Bah, en vrai, qu'on le veuille ou non, malheureusement, c'est triste à dire. Mais plus tu prends de l'âge... Oui, ça nous arrive à tous, hein, les gars. Ton contenu, entre guillemets, il change naturellement tout seul avec le temps. Des fois, je me rappelle, à l'époque, bah, quand j'avais 16-17 ans, tu restes un gamin, quoi. Je faisais des vidéos de gamin, où, tu vois, je rigolais avec mes potes, on faisait des blagues, un contenu, entre guillemets, bah, pour les enfants. Parce que moi-même, j'étais un enfant. Et t'avais des gens dans les commentaires, c'est un gamin, le contenu, pourri. En fait, chaque contenu, entre guillemets, correspond à l'époque adaptée. Là, je vais quoi? Je vais sur mes 24 ans, c'est plus le même contenu que je faisais auparavant, parce que j'ai grandi. C'est l'évolution. Et des fois, malheureusement, il y a des abonnés en commentaire, il y a des choses que vous ne comprenez pas. C'est vous me dites, ouais, mais tu peux refaire ce genre de vidéo comme tu faisais avant. Bah non, les gars, j'ai pas envie de régresser. Vous avez capté ce que je veux dire ou pas? Si tu fais quelque chose que tu faisais déjà en fait avant, c'est ce qu'on appelle de la régression. Et c'est pour ça qu'il y en a, ils arrivent pas à avancer entre guillemets dans la vie parce qu'ils sont toujours bloqués dans le temps. Enfin dans le passé plutôt. Je serais bien tenté de rentrer mais c'est le Shanka qui me fait peur. Et le Jäger aussi. Je drone hein, je le vois pas, lui regarde son gameplay, il vise une fenêtre, il est comme ça. Le mec il bouge pas les gars, il bouge pas. Et ouais parce que si tu gardes le même contenu entre guillemets bah... Tout le temps, ying, t'évolues jamais et tu stagnes. C'est comme un footballeur, s'il garde toujours son même style de jeu, bah à un moment donné, il va stagner. Logique. Et en parlant de changement, alors ça va arriver dans quelques temps, hein, longtemps, un an et demi, peut-être même deux, on sait pas, hein, s'il y a un report. Mais c'est par rapport à GTA 6, hein, les gars, quand il va sortir, je vous jure, je vais charbonner, mais... Tellement, parce que ceux qui me suivent, vous savez que la licence GTA, c'est ma préférée. En vrai, d'ailleurs, mon GTA préféré, c'est même pas le 5, hein, les mecs, en vrai. Hein. C'est GTA 4 avec Niko Bellic. D'ailleurs, on dirait que je suis sapé, comme Niko Bellic. Ça, c'est pour moi, ça. Là, plus sérieusement, GTA 4, c'est vraiment c'est une masterclass. Alors, en vrai, moi, pour être tout à fait franc avec vous, je trouve que le multi de GTA 5, il tabasse celui de GTA 4, logique. Mais l'histoire de GTA 4, elle tabasse celle de GTA 5. Et même, pour le coup, alors après, c'est assez subjectif, mais le gameplay de GTA 4, je trouve qu'il était plus réaliste que bah, GTA 5 en fait. Donc je pense que GTA 4 c'est mon préféré de la licence bah, des GTA quoi. J'ai tellement hâte qu'il sorte GTA 6 les gars, si vous saviez. Mais à un point, je crois qu'il y a personne en fait qui est prêt à découvrir cette masterclass. Et quand il va sortir, bah effectivement moi je vais faire beaucoup je pense de vidéos dessus. Bah parce qu'en fait moi je pars du principe que j'ai envie de faire des vidéos sur des choses qui me plaisent. Et je pense que d'ici là, bah R6 sera peut-être fini les gars. Oh il y avait un mec.
Ah, encore le Jäger, hein, il fait que me piquer lui. Vas-y, faut lui flasher ses morts, l'autre, on y va. Go, 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 les gars, go, go. Ouais, ouais, il est contact, c'est bon, il est mort. Masterclass. Hein ? J'ai été flashé par ma Ying ! Ce n'est pas normal ! Comment ça, j'ai été flashé par Ying, les mecs ? C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive ! Regarde ! Regarde ! J'en peux plus, les gars. Non, mais ce jeu, y'a rien qui va. Sur ce jeu, y'a... C'est pas normal de se faire flasher par sa Ying, les mecs, c'est pas normal. Et donne-moi quelque chose de cool en défense. Warden ? Ah, Zami, oh, j'étais pas loin de Warden, il était juste là, les mecs. Ah, j'aurais bien aimé avoir un viseur 1.5 pour aller faire mon spawn kill magique là en bas. Ah, le Fenrir ici, qu'est-ce qui fait mal en vrai. D'ailleurs, c'est étonnant, je trouve, que Ubisoft n'ait pas nerfé encore Fenrir. C'est sûrement, les gars, une question de temps. Par contre, ouais, j'ai pas l'1.5, ça va être tellement chaud là. En plus, gardez en tête que je joue avec une cagoule, les gars, quand même. Hein. Non, mais c'est vrai, des fois, je vous habitue à ça. Mais ils croyaient pas que c'est facile. Surtout quand on fait des routes du champion, quand on tombe contre des puants. Ouais, bah, les gars, ils ont pas spawn là, malheureusement. En fait, cette carte, les gars, pour le roaming, je trouve, elle est nulle. En fait, les points d'insertion, c'est les mêmes tout le temps. Il suffit juste de mettre un nomade. Salut, toi. Il y en a encore un. Oula, oui, oui. Et un nomade, t'as perdu, en fait. Oh, oui. On a le diffuseau ping, les gars. C'est une bonne chose. Hop. On va se protéger. Parce qu'il est rentré juste au ping, les gars. Il est juste là. À travers ou pas? Oh, ça va être dommage. Shabak, il était là. Et l'autre, les gars, c'est une Ying. Allez, sors. Sors. Ouais, elle est bien dans la chambre. Et là, tu vois, le plus important, c'est pas de la piquer, hein. T'as le diffuse ici. T'attends. Par contre, Warden, là-bas, je sais pas exactement ce qu'il fait. Catastrophique. Sachant que t'as une Ying qui push aussi, avec ses boules, là. Elle est juste là, mon pote. Elle est à côté de moi. Bon, moi, on a gagné. Non, mais Warden peut servir. Mais reste sur site. Va pas à l'opposé. Surtout quand ça push avec une Ying, mon frérot. Enfin, je sais pas, ça me paraît... Logique. Oh, Kaïd, c'est l'un des seuls que je voulais pas. On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. Alors, est-ce que je le joue aux pompes ou alors est-ce que je le joue à l'arme normale? Allez, on va pomper, les gars. Ah, je sais pas, j'aime pas Kaïd. Je trouve son gameplay... j'aime pas, en fait. C'est fade. C'est comme les pâtes quand tu mets pas de crème ou de beurre. C'est pas bon. Attends, Warden, il va faire les trappes, là, Warden. Non, les gars, il va neiger demain. S'il te plaît, va faire celle-là, mon frérot. Hein. Je suis en train de rêver, les mecs. Warden, je crois qu'il est en train de renforcer une trappe. Attends, faut que j'aille vérifier. Attendez une minute. Là, c'est pour la science. Il a fait une trappe. Regardez-moi ça, les mecs. Mais attends, il est en train d'en faire une deuxième. Ah bah, je le félicite. Voilà, je suis amoureux des Mine Warden. Rien de plus à ajouter. Merci, mon frérot. En vrai, pour l'année 9 de R6, alors elle a pas été encore annoncée au moment où je fais cette vidéo, les mecs. Mais j'aimerais tellement qu'ils mettent d'anciennes cartes comme Base d'Airford ou des trucs comme ça, là. Mais les anciennes. Et genre qu'ils fassent un rework, mais un petit peu à la consulat, tu vois, un rework cool. Moi, j'en peux plus, hein, de faire les mêmes cartes en classé tout le temps, encore et encore. Ça me rend zinzin, c'est chiant. Par contre, ça craint, les gars, si ça poche le chantier, je suis dans la sauce. Ça va poche le garage, surtout. Partant du principe que Thorn est morte, mais faut vite que j'aille site, moi. Je suis tout seul. T'es mort, Warden. T'as fait les trappes, c'est bien vieux. Ah. Mais ne me laisse pas tout seul. Elle est dure, cette arme. Oh, j'aime pas, hein, le pompe de Cade. Pourtant, en ranked, quand je tombe contre lui, il me fait les fesses. Mais alors, moi, je sais pas, j'aime pas. Ah, par contre, il gère, hein, les randoms, pour une fois. Ah oui, il gère vraiment bien. Bravo. Ah, j'aimerais vraiment avoir un 1.5. Un 1.5. Ah, Valkyrie, il n'y avait pas d'1.5, mais j'aime bien. Imaginez un monde. Valkyrie 1.5. Dangereux. Ce serait le meilleur monde du monde. Le meilleur monde du monde, je viens de dire, quand même. Ouais. Là, faut la rota, les gars. On n'a aucun agent pour faire des boulettes. Ça, c'est génial. Il y avait un glitch en 2015, tu faisais ça, et tu mettais une caméra dedans. Ah ouais, ça a été patché depuis le temps. Et là, cette caméra, elle est incroyable dans le pneu. Oh ouais, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Mais ça, en rotant, on va pas chier loin. Maverick, les gars, Maverick. Dis-moi que ça passe. Voilà. Ça, je comprends pas, les gars, il doit être collé. Pourquoi il meurt jamais comme ça? Pourquoi? Il est avec son chalumeau. Il est au mur, les gars. Et non, il a pas envie de mourir. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de mourir. Ça peut se comprendre, c'est un choix, oui. Je le conçois tout à fait. Mais quand tu te prends un C4 dans la tronche, je suis désolé, mais tu meurs. Ouais, la vie est triste, la vie est cruelle, mais c'est comme ça. Oh, on va se faire détruire, les gars, détruire. 2v5, ils vont tous arriver au bac, ça rentre. Là, y a pas de rota, y a rien. Là, en fait, je vais devoir reculer, mais tu veux que je recule où? Ouais, bah bravo, mon pote. Ah, ils vont tous arriver au bac. Et de 1. Allez, l'autre, il est 6. Là, y a pas la rota. Ouais, forcément. Elle est belle, ma rota. La rota au point, les gars. Vous aimez bien? C'est un concept. H me fait une rota. Merci, H. Il va repasser à la fenêtre. Ok. H morte et l'autre, il passe rota. Dis-moi que tu passes rota. Faut pas que je foire le 1v1. Il reste 30 secondes. Il est contact, je crois. Non, je l'entends. Je sais pas où je l'entends, en fait, là. Yes! Ça, c'est ce qu'on appelle une game de folie, les gars. On vient de les défoncer. Eh, ce jeu du hasard se passe relativement assez bien.
C'est rare. Oh, IQ, vous me permettez, les gars, de recommencer. Je l'ai eu tout à l'heure. En vrai, la diversité, c'est bien. C'est moi qui fais les règles, de toute façon. Ok, on aura du lion. C'est mieux qu'IQ. Oui, je suis un dictateur. C'est moi qui change les règles. C'est moi qui choisis. Et j'ai le droit de faire absolument tout ce que je veux. Et si vous êtes pas content? C'est déjà ça, non? Et c'est pareil, hein. Pour moi, Oregon, c'est une carte. Je sais même pas s'il faut pas la retirer. Attention, c'est pas le mot. Hein. Mais il faut faire une extension d'Oregon. Faut faire plus de choses dessus. Un rework, je sais pas si c'est le terme adapté. Mais la carte, les gars, il faut refaire dessus. Il y a des choses qui vont vraiment plus. Après, bien sûr, c'est un point de vue. Hein. Mais en termes de sensation de jeu ou de ce que tu veux, je trouve qu'Oregon, elle se fait tabasser, admettons, par Consulat. Ah, je sais, je force avec Consulat, mais Consulat, c'est une carte, les gars, elle est trop bien. Oregon, j'ai l'impression que c'est tout le temps pareil, encore et encore. Alors, Consulat, t'as des multiples strates qui changent encore et encore. Et c'est ça qu'on demande sur R6, que les strates changent. Un célèbre philosophe a dit que le changement, c'est c'est maintenant, les gars. Ok, il y a un mec qui va être à la porte trophée. Ouais, c'est Fenrir. Vas-y, monsieur Fenrir, viens. Je sais pas s'il est repassé site. T'es flashé, hein. C'est quoi ça? Mais c'est pas possible! Ah ouais, ils ont cancel la game, ils étaient 4v5. On avait Oregon, on se tape repère. Ah, termite. J'aime bien repère, les gars, mais pas commencer en attaque. Mais à titre de comparaison, repère, vous allez peut-être mal le prendre ce que je vais vous dire, mais c'est une meilleure map qu'Oregon. Et il y en a qui vont dire, ah, mais qu'est-ce que tu racontes, hein? Bah non, mais c'est réel. Je vous dis que les termes, t'as plus d'options de jeu sur repère que sur Oregon. Et en termes de stratégie, Oregon se fait piétiner par cette carte de repère. C'est factuel. Pour les trous de balle au fond de la classe qui savent pas ce que veut dire factuel, ça veut dire c'est réel. Je préfère préciser parce qu'il y en a, hein. Vous êtes un petit peu limité. Non, bandit! En face, il y a bandit et Tsubara où jamais je pourrais open un T1. Jamais de la vie. C'est comme envisager de faire le fion de Mia Khalifa. C'est pas possible, les gars. Faut que j'arrête avec cette Mia Khalifa, hein. Elle me hante. Il y a Kavera surtout roaming, donc faisons attention. Là, c'est ce mur-là qu'il faudrait open, les gars. Mais pourquoi ça bug, là? Ça me fait téléporter. Là, je peux pas open. Il y a pas quelqu'un qui a des IUM. Non, apparemment, personne en là. Vas-y, Ram, c'est bien joué. Extérieur, il y a pas un mur. Je connais pas la carte, hein. Désolé, les gars. Enfin, je vous dis désolé, mais. Je sais pas pourquoi je m'excuse. Ok, il y a Tubaou et Bandi. Ensuite, moi je suis où là? Je sais même pas où je suis en fait là. Bah, Tubaou il est pour moi. Il y a un mec là, non? Oh, au back, je crois qu'il y a Kavera. Kavera au ping. Il est là. Oui. Vas-y, grosse lock, pose. Non, mais pas là. Pose dans un endroit safe. Bah oui. L'hôtel pose en plein milieu. Regarde où elle pose. Oh là là. Ah, des fois, les gens ne sont pas très très logiques, hein, les mecs. Mais on a mis l'attaque sur repère. Donc, les gars, on va pas se plaindre. On va se taper Twitch. Moi, je vous conseille de mettre l'holographique sur Twitch et non pas le viseur 1.5 parce que sinon votre recul va monter en l'air. N'empêche, Twitch, il y a un point très important avec elle. C'est que si tu prends ton drone de la phase de préparation, que tu prends ensuite l'autre drone et tes deux autres drones Taz, ça te fait 4 drones en tout. Ah, mais ça change tout! Franchement, les gars, c'est énorme. C'est un point qui n'est pas négligeable. Allez, on va les casser. Bah non, je dis on va casser les bandits, mais ça sert un peu à rien vu qu'on n'a pas de breacher. Donc on va casser du stuff. Il y a quoi? Il y a une torne en face. Donc on va casser les trucs de torne. Parce que normalement, elle les met. Ah, oh, une alarme. Oui, je l'ai eu. Elle les met en hauteur. Vas-y, torne, vas-y. Torne. Ram, pardon. Vas-y, go, c'est parti. Il faut que je trouve des tornes, les gars. Il n'y en a pas. Et elle les a mis où? Tiens, dans le zizi. Je vous jure, les gars, je trouve pas ces tornes. Ok? On a trouvé les alarmes. C'est déjà ça. Oh! Non! Ah, j'ai pas de chance. Je pensais pas qu'il y avait une rook derrière le truc. Je savais même pas qu'il y avait une étagère. Encore? Ça fait beaucoup, là, non? En vrai, mon dinde, c'est un excellent choix. Oh non, c'est pas un excellent choix. En face, regarde. En haut, là, il y a Lésion, Torn. Oh, et Tubao. Mon pote, je vais pas mettre un pied dans le site. Je vais l'open kill, c'est une bonne chose. Là, faut faire la trappe, les mecs. Là, ici, faudrait faire un trou, les gars. Putain! Ah, je suis nul sur ce game. Je fais des trucs, les gars. Allez, Doc. Non, on aime bien les Français, dis donc. Hein. Je fais des trucs, je suis vraiment atroce sur cette partie. Ça, je sais jamais, ce mur, s'il faut faire des trous, là. Regarde, c'est celui du couloir ou s'il faut le renforcer en vrai. Est-ce que ça met une bonne pression? En soi, si tu fais un trou, tu gardes une bonne ligne. Admettons, regarde. Ah non, bah non, pourquoi tu... pourquoi tu sautes là? Bon, laissez tomber, c'était une idée pourrie. De toute façon, j'ai jamais de bonnes idées. Là, je trouve que c'est assez important pour le coup de mettre un barbelé parce qu'ils rentrent souvent à stuff net. Donc en soi, ils sont coincés dedans. Et même, ce qui est mieux, c'est de mettre un lésion carrément dessous en vrai. Mais la carte, ça doit être quoi? Ma 5e game à peine dessus, je la connais toujours pas. J'ai trop du mal à me situer dessus. Mais elle tabasse Oregon. C'est réel. Sors, je suis déjà là, sors. Putain, l'intelligence de ces trous de balles. Il fait un move inutile, je suis là, pourquoi il vient faire ça, regarde, il est comme ça. Quelle est la plus-value? Qu'est-ce que son move a apporté? Rien. Oh, j'ai mis des balles, je sais pas c'était qui par contre. Y'a pas des gens qui ont besoin de vie là? Je suis là au cas où, hein. Oh, y'a personne au back, c'est plutôt une bonne chose. Smoke. Ouais, il pique pour rien. Il balance un smoke, ça sert à rien de piquer, laisse-le ton smoke. Voilà, ou alors fais un kill. Au back. Faut être sur tous les fronts. Vous avez vu pourquoi ils sont bien mes trous là en vrai?
Ça te permet d'avoir un bon petit contrôle kite. Tu veux de la vie? Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Eh bah non, t'auras pas de vie. Tu bouges, t'as pas de vie. Ça, c'est une nouvelle règle, les gars. Tu bouges, t'as pas de vie. Je vais pas gâcher un doc pour rien, bêtement, dans le vent. Ils ont pas le diffuse, ils ont pas le diffuse, piquez pas. Bien joué, les gars. Tu sais, en soi, il a juste à rester dans le coin. Pulse, oui, mon agent préféré. Reste dans le coin, mec. Arrête d'être une anguille comme ça. Bouge pas. Ah non, mais Pulse. Franchement, les gars, ceux qui ne jouent pas, vous devriez. C'est pour moi l'agent ultime en défense. Que tu sois solo ou jeu intime, Pulse, c'est le meilleur agent. En plus, le truc, c'est qu'il est super simple à utiliser. C'est ça le problème. Enfin, problème qui, au final, n'est pas un problème. Oh. Oh, il est arrivé juste devant lui. Non, pourquoi il est parti? Ok, il est sur la droite. Attention, il y en a deux, je crois. Il peut passer là, peut-être, hein. On est droné, vieux. Bien joué, Kavera. On est en train de leur mettre une sale pression, mais il y en avait deux, je crois, mon vieux. Je suis pas sûr, hein. Ah, il y a une greu. Elle vient de la gauche, je crois. Là, tu lui fais peur. Et là, tu sors. Voilà, ça, j'aime bien, les gars. J'aime beaucoup. 3v2, on va retourner sur site. On a fait notre job. Il nous reste un C4 pour empêcher une plante. C'est parfait. On va dire que l'essentiel a été assuré avec le bon vieux Pulse. 3v1. Rien à dire. Ça joue bien. Je vais essayer de vous donner l'info. Ouais, il est contact pour Kavera. Kavera, il va être pour toi. Kavera. Oh, elle s'est pris un turn. Oh, ah ouais, non, la pauvre. Elle s'est pris un sale turn. En espérant que ce soit la dernière manche et qu'après, on puisse jouer frontière au moins. Encore doc, non. Au moins une fois durant l'année 2024, les gars. Oh, il fait de rire, oui. Premier degré, je n'ai pas fait frontière une seule fois depuis 2024. C'est terrible. Ça, faut vraiment... Oh, que je change ma chaise. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'elle me fait mal au fion. En fait, il y a un petit coussin, au final, qui n'est plus un coussin. J'ai un truc pointu, les gars, sur les fesses. Pas dans le trou, hein, je vous rassure. Mais, ah, une barre en fer au niveau des miches. Ah, ça fait mal. Ah, la fenêtre, c'est un ace, je crois. C'était une Ying, plutôt. Mozy vient de lui prendre son drone. Si, c'était un ace. Encore plus, les gars, non? Ah, venez, je vous dirai rien. Plus on les fout, plus on rit. Attends, je vais lui activer le Fenrir dans la tronche, regarde. Oh, elle est pas là, dommage. C'est parti, attaque du ciel. La menace arrive du ciel. Au bac, les gars, ça prend le Fenrir. Go, 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 go. Vite, s'il vous plaît, qu'on finisse cette game. Là, je la sens pas, on va se prendre une remontada. Oh là là, ce que je leur mets. Oh, mais ce que je leur mets, c'est... On va dire les termes, on vient de les... Ah, je fais des enchaînements de cartes, les gars. Waouh. Ça va que je suis pas suicidaire, hein. Castle, comme Vincent. On va le jouer bien gentiment. De toute façon, on n'a pas le choix. Enfin, après, si, on a le choix. Si jamais j'ai pas envie de prendre Castle et que j'ai envie de prendre Valkyrie, je le fais. Mais allez, Castle, c'est la première fois, prenons-le. Si je peux vous conseiller de mettre un petit Castle, c'est là, à cette porte, les gars. Enfin, cette fenêtre, plutôt. Des fois, ils font des push avec Buck ou Ash ou même Ram, ça fait très mal. Et de faire également des trous ici. Comme ça, regarde là, la vue que tu as sur la fenêtre. C'est incroyable. En fait, sur R6, il y a des détails. Des fois, c'est des petits trucs. Et ça fait des grands tous, les gars. C'est réel, hein. Non, 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 non. Je pars. Tu vois que je suis là. Non. Ils sont nuls. Pourquoi? Oh, ils ont un problème avec ces portes, là. Mettez-les-vous dans le fion. Sans déconner, je vous jure, ils ont un problème mental avec les portes en bois. Et en plus, comme par hasard, c'est Bandit qui meurt. Lui, je sens qu'il est très nul, Bandit. Hein. Bon timing. Ça, j'aime bien. Il y en a encore un SK, 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 SK. Yes, oh, elle a fait un saut. Sauvez Willy, les gars. Elle a fait un saut de zinzin. Oh, je suis en train de faire un carnage. Un carnage, les mecs. On sait qu'il est à terre et l'autre, c'est une rame, la last. Du coup, on va être vigilant parce qu'elle est rentrée, je crois. Ouais, elle est au fond. Alors, attends, tu sais quoi, lui, on prend le kill. Ah, ne pique pas. Ah, vas-y, go, 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 faut y aller. Elle a plus de balles. Let's go. Tu l'attaques par derrière. Ah, franchement, ça va, on fait des bons petits trucs. Bandit, bah tiens, prenons-le. Mais Bandit holographique ou alors Bandit réflexe. Je sais pas, je me tâte. Faisons confiance à Lolo. Mais pourquoi il a cassé mes bandits? Il a cassé mon bandit, lui. Mais t'es un trou du cul. Ah, tiens, mange. Le mec, parce que je prends bandit, il casse mes bandits. Allez, l'autre suceur de gibre, là. Je suis le meilleur joueur de votre squad, vous allez pas... Vous allez pas vous priver de moi! Sans déconner, il a cassé mes bandits parce que j'ai pris bandit, qu'il avait la manche d'avant et qu'il est pas content que je l'ai pris! Il est con! Ah, il fallait bien qu'on tombe sur des randoms pourris, hein! Je vous jure, les randoms sur R6, Pulse, oui! Je pense sincèrement que c'est les pires, en fait. C'est les pires joueurs de R6, les randoms. Regarde, c'est lui, hein! Je te jure, parce que j'ai pris bandit la manche d'avant, il a cassé mes batteries de bandit. L'intelligence du trou de balle. Et derrière son pote qui vient me mettre des balles, bien fait! Vous avez vu, on a perdu la manche, c'est bien fait pour vous. Tu me tues, on perd. C'est simple, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais le constat est là. Ok, il y en a un juste là, oh lolo. Et voilà, quand vous me laissez jouer, les kills sont faits. C'est bizarre ça, il est rentré lui aussi. Pulse, c'est vraiment mon goat à moi les gars, je l'aime trop. C'est mon goat. Aïe, 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 aïe. Bon, j'ai fait une -3, à vous de jouer. Bah, Pulse, en vrai, sincèrement, je pense que c'est l'un des meilleurs agents que tu peux retrouver
sur le jeu. En fait, je comprends pas. Je fais vraiment du hasard avec mes touches, les gars. Et je me retrouve tout le temps avec les mêmes. C'est bon. Il y a quand même beaucoup d'opérateurs sur R6. Pourquoi ça me donne tout le temps les mêmes? C'est le jeu du hasard, les gars. C'est pas le jeu d'Ibala. Allez, c'est le nul, hein. C'est encore lui qui se fait spawn kill. Il est trop nul. Il a le droit d'être nul, mais viens pas jouer avec moi. Je crois que dans mon bac. Ah non, c'est lui que j'entends, mais les sons, ils sont bizarres. Oh, le shotgun. Ce malade mental, il est au shotgun. Là, c'est smoke. Ah, je vois rien. Ah non, je vois que dalle, là. Vas-y, Ibana, ouvre-moi ce mur et nous, on va taper un peu chaud bac. C'est parti. Non. Pourquoi y'a Kaïd Rubing? Kaïd Rubing, les mecs! J'ai tellement pas de chance, mais c'est... Il est nul! Vous êtes des plots! Y'a rien de plus humiliant de mourir par un mec, il a un shoot comme ça, comment il peut? Mais encore montagne! Comment le mec peut te tuer? Il fait comme ça, il fait... Je sais pas comment il fait, même lui ne sait pas en fait. Il sait pas. C'est un truc de fou, j'ai que montagne et Ibana, il s'est encore fait spawn kill! Regarde les gars, il est encore mort! Il est encore mort! Complètement paumé! Oh non, mais lui c'est trop grave les gars. Aïe, Kaïd! Encore le roaming, hein. C'est un concept, Kaïd roaming. Mais l'autre, il fait que mourir à chaque fois ou se faire mettre à terre direct. Au top, les gars. Attention, C4, hein. Contact, il y a Warden, Warden. Il faut que je l'agresse, je pense. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, lui, le shotgun. Venez m'aider, les gars. Y a pas un mec avec moi? Il va prendre la SMG ou mettre un C4. Allez. Anticipation, les gars. On y va, on y va, on y va. C'est parti. Il va être contact à gauche. À la rota, le travers. Ah, dommage. Allez, bah ouais, forcément. J'ai pas compris. Attends, on se tape vie là. Oh, les gars, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'a pas non plus beaucoup de chance hein, sur les cartes. Je triche. Ying, je l'ai déjà eu. Capitao, je l'ai pas eu. Mais alors, Capitao, alors attendez. Je prends les EMP, la clé mort ou la charge de brèche lourde. T'as le choix en vrai. Hein. La charge de brèche lourde, elle est peut-être mieux à prendre. Mais ça, c'est pareil, hein. Là, ce truc. La charge de brèche lourde ici, comme vous le voyez. Pour moi, ça, ça n'a pas sa place hein, sur R6. On a déjà Ibana, Ace, Termite, Maverick pour faire une trappe. Pourquoi est-ce que tu viens rajouter la charge de brèche lourde? C'est inutile. C'est comme si, admettons, en défense, on a Kaïd des bandits et on va rajouter une batterie à, admettons, Kavera, Alibi. Ça sert à rien. Bien, ouais, je l'open kill pour une fois que c'est nous qui le faisons. J'ai envie de taper un poche avec Capi, les gars. Je vous jure, je me sens en confiance là. Je me sens chaud. Oh oui, les amis. Oh, elle est où? Je pense qu'ils vont être dans la petite pièce. Lésion, forcément. Le torn. Ah, je suis mort. Vas-y. Quand tu fais tomber ta manette, ça fait très mal au cœur. La DualSense Edge. Les gars, 250 balles qui viennent de tomber par terre. Ça fait mal. Oh non, lésion, torn. En fait, les gunfights sur R6 maintenant, c'est ça. Tu te fights contre des pièges. Oui, enfin. Oh, je peux te dire que je vais le savourer ce moment. C'est l'un des premiers opérateurs que je suis content de jouer, les gars. Vraiment. Après, quoi que non, j'ai eu Fenrir. On aime bien rire avec Fenrir. Ouais, des fois, je me fatigue tout seul, les gars. Alors, leçon numéro 1, regardez par terre s'il n'y a pas des boîtes de conserve. Je vous l'ai dit. C'est un gameplay palpitant. Ouais. Oh, purée, il m'a mis des balles, l'allié. Tu m'as déçu. Non, non, j'en peux plus. Je vais faire un arrêt du cœur, les gars, un arrêt cardiaque. Là, hey, c'était devant, regarde, casse direct la caméra, direct. Là, open, plus vite. Allez. Encore un truc qui pète, oh, mais c'est terrible, hein. Ça pète encore plus que mon anus. Ok, le H, on peut le casser avec le Mira, ça c'est bien. Elle ne me piquera pas, Mira. Bien joué, et dès l'émulation, c'était, Thorn, je crois. Mort, contact, direct, là, derrière le shield, les gars. Oh, ce qu'on lui a mis! Voilà quand j'ai des bons opérateurs! On est capable de faire un peu de carnage! Chose qu'on ne fait pas depuis tout à l'heure là! Allez, il y a encore une hache ou un buck ou un sledge, un truc comme ça, pas osage, je la joue jamais! Je sais même pas s'il faut prendre l'arme de Thermite ou celle de Jackal. Bah, tu sais quoi, on va prendre celle-là et en secondaire, bah, on n'a pas trop le choix. Ouais, Oza, c'est pas un perso que je joue souvent. Pourquoi ça casse pas la fenêtre? Tu vois, ça le faisait pas il y a deux secondes. C'est des trucs, ça m'énerve, hein! Arrête de tirer! Arrête! Putain, y'a rien devant moi, mis à part moi, il tire là, il tire sur qui? Des fois, si j'avais le pouvoir de vie ou de mort, tel Thanos, eh ben je préfère pas me poser la question. Faut que je casse quelque chose là. J'ai honte. J'en peux plus, regarde ça! Regarde comme il est nul! Mourir par des mecs nuls, y'a rien de plus frustrant que ça, il est nul! Sa grand-mère qui a des croûtes dans la J'ai rien dit, pardon. Même elle, elle est plus forte que lui! Le mec, il est comme ça. Il reste plusieurs fixes. Si j'avais le gant de Thanos, je l'aurais envoyé je sais pas où, les gars. Ah, je préfère mourir par un mec fort qui me torpille le fion parce que je me dis qu'il est plus fort que par un mec nul. Quand un mec nul te tue, en fait, tu... C'est pas possible. Non, mais les gars, je vous remime la scène, il est comme ça. On va partir en dépression. En fait, les gars, sur ce jeu, t'es vraiment destiné à rager, mais même pas contre toi, contre les gens. Souvent sur les alliés, c'est vrai, mais sur les randoms, des fois, en face, qui font des actions, mais dignes des plus grands plots de France. J'entends un mec rappel... Non, ne me dis pas qu'il s'en rappelle. Statue, là. Ne me dis pas ça. Non, non, il est SK. Il y a une Thorn qui est morte.
Non. Allez, allez, c'est quoi? Non, non. Oh, j'ai cru qu'il allait me retomber sur la face. J'ai eu peur. Ah non, c'était à ce rappel-là, d'accord. Ok, c'était à Maru. Elle est contact. Elle est là-dedans, je crois. Masterclass, oui, allez. Maintenant, il y a une Ying qui va être contact à gauche. On y va doucement. Non. C'est lui que j'entends depuis tout à l'heure. Mais est-ce qu'il fait des rappels là, les gars? Qui fait ça? SK, SK, SK. Elle est là. Elle est morte. Il y en a encore un, je crois. Non. Il y a le diffuse, par contre. C'est bien ça. Bien joué, mon Pulse. C'est un bon joueur, Pulse. Ah, l'autre, il s'est mis à taper un rappel, les gars, au niveau de la statue. Oh, non, non, je joue pas Kaïd. Mais je suis pas. Non, non, arrêtez. Je suis pas non plus Sadomaso. Harumi, c'est déjà mieux que Kaïd. Elle est descendue, les gars. Rappel, statue. Je me rends compte en vrai qu'il y a des persos, je les joue jamais les gars. Aruni, vous me voyez jamais la jouer, pourtant elle est pas si nulle, hein. Enfin, elle est forte. Mais c'est les armes en fait, avoir un DMR. Waouh, un coup par coup. Super. On est sur un jeu de chasse ou ça se passe comment? Non, alors en soi c'est un bon perso, mais c'est juste l'arme en fait qui me dégoûte. Vraiment, à un point si vous saviez. Je prends pas de plaisir en fait à jouer ce truc là. Oui, j'appelle ça ce truc. C'est son nom qualificatif. Allez, l'open kill, ça commence. Un écho les gars. Echo et Doc, les deux persos les plus improbables qui meurent en début de manche, c'est eux qui meurent. Echo, il a juste à rester sur ses caméras et Doc à mettre un Doc. Mais non, à part ça, tout le monde se fait dézinguer. Il y a un mec contact à ma droite, c'est le lion. Si je bouge, je suis mort, mais il y a un mec aussi fenêtre. C'est en train de poser, les gars, ça pose. Mort, bien joué, mais l'autre, il a posé au fond. Allez, j'arrive pas, le sniper, hein. Il est mort, à terre. Mais ça va se réanimer, c'est un fest site, c'est horrible, là. Oh, réveillez-vous. Vous avez pas à mourir comme ça en début de manche, vous avez pas à crever. Regarde, il y a des drones de yokai, mais Echo, il est mort. Tu veux faire quoi avec tes drones? Tu te mets dans le fion? Allez, en plus, on est 4v5, il y a un ali qui a bugué. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ah, les pulses. Allez. Non, mais franchement, les gars, les randoms, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Même un chauve, il va se les arracher. C'est horrible. Ils sont trop nuls. Ils devraient être interdits de jouer sur R6, hein. Ou alors ils jouent, mais entre nuls. C'est pas méchant, mais de faire des actions comme ça, de cadre un doc et un Echo en début de manche, alors qu'il y a rien à faire. Mis à part attendre que l'attaquant vienne. Mais en fait, ils meurent parce qu'ils vont piquer. Parce qu'ils sont trop nuls. Et qu'ils comprennent rien à Rainbow Six, ça passe ici, je crois. Ok, il y a un doc. Oui, je vais aller te voir, mon ami doc, j'arrive. Maintenant, la question que je me pose, c'est va-t-il. Ah, j'ai rien dit. Je n'ai même pas vu montagne. Je suis encore plus nul que mes alliés. Ça fait mal. Ah, et puis j'ai mal au fion. Ah, sur cette chaise. Purée. Ah, je l'ai acheté à but, je crois, il y a quelques années. N'achetez jamais vos chaises à but, les gars. Ça fait un mal de fion. C'est atroce. C'est atroce. Vous imaginez même pas à quel point. Allez, c'est reparti. Ah, j'ai l'impression que j'ai une barre métallique qui me traverse les fesses. Aïe. Putain, comment vous faites pour vous faire sodomiser? C'est pas possible. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes le début de la vidéo, on est tout joyeux, on est tout calme et tout. Et plus le temps passe, plus on devient aigri, les gars. Non, mais c'est vrai. Rainbow Six, ça nous rend aigri. C'est la magie du jeu vidéo, enfin de R6 surtout. Quel jeu rend encore plus aigri que Rainbow? FIFA, peut-être. League of Legends. Je sais pas. Regarde le bot humain là-bas allongé, sale bot. Ils me rendent fou. Ils me rendent tous fous aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Faut que je me calme. C'est un jeu, tranquille. Merde, j'ai même pas de clé mort. Tranquille, c'est un jeu. Amusons-nous. Pourquoi je cheat là comme ça? Amira, Amira, faut que je le casse. C'est parti. Encore un. Oh, elle l'a mis où? Ah d'accord, elle a pas mis son Mira ici. C'est un concept. Ah non, elle l'a mis là. Eh oui, plus de Mira. Chut. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Bah alors, madame? Ah ouais, oh, ça me fait tilter, les gars. Je tilte. Je suis pas en train de te parler de Tilted Tower. J'en peux plus, là. Ça me rend ouf. Allez, donnez-moi un truc cool à jouer. Une hache. Ah, on est en défense. Un Fenrir. Oh, purée, la tête de ma mère. Moi, vivant, je ne jouerai jamais Mira. Moi, vivant, c'est mort. Mutes, pourquoi pas? Mutes shotgun. Oui, Mira, jamais vous me verrez jouer cet agent, jamais de la vie. Mira, c'est un agent, elle est trop forte, hein, les gars, y a pas de problème. Mais je déteste son arme, et je sais pas, j'ai un feeling avec Mira. C'est l'agent avec lequel j'ai le moins envie de jouer sur R6. Premier degré, c'est réel. C'est génial, je suis en train de vous filmer là avec la caméra, le son. Ma play va s'éteindre, génial. Impeccable. Ah, je suis désolé, ma play, elle s'est éteinte d'un coup à la sauvage, les gars. Et là, j'ai plus de batterie dans le téléphone. Y a rien qui va aujourd'hui. Vraiment rien qui va. Et là, je suis pas sûr que ça va aller mieux avec elle. On va se prendre les barbelés et force et honneur, les gars. On va se mettre une mine là-dedans. Ah, c'est parfait, là. On va contrôler l'ESCA et... Enfin, on va essayer, du moins. Et là, en vrai, vous allez prendre pour un ouf, hein. Mais ça serait tellement bien qu'elle ait l'1.5. Ça serait une arme, certes, compliquée à gérer. Mais pas impossible. Allez, regarde, tu vois, ça commence. En fait, j'ai envie de l'arrêter, cette vidéo. Je vous jure, je prends pas de plaisir, en fait, avec les randoms. Ils font n'importe quoi. Ils meurent direct, en fait. La manche, elle commence, ils meurent. Mais il va où pour mourir? Qu'est-ce qu'il fait pour mourir? 2 minutes 55, le mec, il est déjà mort, les gars. C'est pas normal. Derrière moi, c'est Yana, je vais sortir par le garage inutile en bas. Dans la logique des choses, elle a pas de clé mort. Elle a vraiment pas de clé mort. Donc là, attends, on arrive doucement. 1, 2, 3. Ah, j'ai pas eu celui du dessus. Cochon. Et là, elle a un peu de recul, mais à une certaine distance. Quand t'es prêt, ça va en vrai. C'est de loin que ça commence à serrer des fesses. Allez, rentrez.
Jacuzzi. Là, elle vient de ressortir, les gars. Et là, tu prends une ligne, tu l'attends. Là, elle peut jamais te tuer comme ça. Jamais elle peut. Je pourrais pas sortir parce qu'il y a la clé mort. Je crois qu'elle est retournée en bas, là. Bien joué. Pulse, il gère, hein. Lui, c'est un allié de qualité. Mais je crois qu'elle est elle a ressauté là, mais non. On peut pas lui en vouloir. Pulse, il a fait de moins 2. C'est à moi de jouer maintenant. Si on joue safe, c'est gagné. Regarde, là, il y a un torn. Là, il y a tous les barbelés. Comment tu veux qu'il passe, le frérot? Il peut pas. Et voilà, on joue la sécurité. En vrai, Ella nous a porté chance, les gars. Tonton Maestro, c'est parti. Ah, ces caméras, elles sont vraiment surpuissantes. C'est un agent, Maestro. Mettez-lui l'1.5 et sur la tête de moi, je jouerai tous les jours. Bon, après, faites peut-être pas ça, Ubi, parce que ça serait un monstre. Ils vont créer un monstre. L'arme, pour moi, c'est vraiment la meilleure arme en défense. Enfin, l'une des meilleures. Elle est si puissante. Ça passe au back. J'arrive, je peux faire mal. Oh, tellement mal, si vous saviez, là. Parce qu'ils ont déjà percé le mur. Oh, j'ai cru voir un autre mec, je suis complètement ouf, moi. J'arrive, les gars. Un célèbre philosophe a dit que ça va péter. Et là, maintenant, tu temporises tranquillement avec tes 3 caméras. Si ça, c'est pas beau. C'est même magnifique. Tu te caches derrière le frigo, tel un gros sac. Et il y a du fus, fuyez. Regarde, on a l'info, attention. Je t'ai mis un ping, trop de balles, un ping, vise. Reste comme ça, on l'attend, doucement. 30 secondes, mon vieux. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? À 30 secondes de la fin, qu'est-ce qu'il fait, garage inutile? J'en reviens pas. Il reste 30 secondes, le mec, il vient garage inutile, les mecs. Comment tu veux prévoir ça? Tu peux pas rentrer dans leur tête. Oh, Wamai. Ouais, de toute façon, j'ai pas le choix. Pour counter le fus, ça pourra être pas mal, les gars, c'est vrai. Mais il y a des agents, je vous jure, sur R6, on n'a pas de feeling avec. Et Wamai, j'en ai pas, en fait. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est pas des opérateurs qui m'attirent plus que ça, alors qu'ils sont très forts. Oh, c'est quoi ça qu'il me fait, lui? C'est pas mal, en vrai. En vrai de vrai, je pense que tu peux te faire zigouiller, mais... Attends, faire la POV. Oula, ouais, on vous voit de ouf, les gars. Mais pourquoi ils ont renforcé ça? Pourquoi vous renforcez ça? La peur de ma vie. On a le diffuse, mais elle m'a fait peur, elle. Je devrais peut-être rester au diffuse, les gars. Je sais pas, là, je sens que c'est le moment de rester là. Je vais avoir un kill. Il m'a vu ou pas? Bien sûr qu'il m'a vu. Je m'étais dit que si je bougeais pas, peut-être qu'il me verrait pas. Ça s'est pas passé comme prévu. Il y a toujours le diffuse, hein. Ils sont pas venus le chercher. L'autre, il est site, hein. Push pas comme un malade, Kaïd. C'est l'Ayana. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre les mecs un petit Wamai si jamais elle nous flash. On va faire un faux trou et on l'attend. On a 30 secondes pour l'attendre. Faut jouer la sécurité, c'est tout. Hop, pour ses flashs. Là, on est serein. Elle pourra jamais nous push. Là, Kaïd, je te mets un ping. À défaut de l'avoir mis 4 fois. Peut-être la 5e fois, tu vas comprendre. Sans le diffuse, elle pourra rien faire, Tayana. Donc, t'as juste à l'attendre. Bien joué, voilà, pique pas. Attends là, prends des lignes. C'est bien. Non, par contre, t'es pas obligé de t-bag non plus. Ça sert à rien de t-bag en plus, parce que vous savez pourquoi? Le gens, j'ai dit. Les gens en face que tu t-bag. Oh, bah y'en a, tiens. Ils vont avoir la haine contre toi après. Et du coup, ils vont se mettre à tryhard. Attention au spawn kill. Tu vois, là, ça, là. Faites gaffe, hein, les gars, qu'ils fassent pas le glitch barricade. Quand tu vois des petits impacts de balles comme ça, c'est pas bon signe généralement. Y'a un goyou en face. Je serais bien tenté de taper un push au gun 6, mais le problème, il y en a pas. Oula. C'est que le problème, les gars. Vas-y, pique. Non, il est pas là, on y va. Je sais pas s'il y a un castle, non, c'est bon. Ah, tu vois le goyo. Heureusement, les gars, heureusement. Vas-y, Ace, open. Bien joué. Au niveau du bleu, il y a Azami, ouais. Il dure vraiment longtemps, le goyo, par contre, c'est indécent. Allez, on y va. Ace, pourquoi tu traces pas comme moi? Pourquoi t'es obligé de prendre la peine de vouloir viser comme ça? Là, tu mets une flash. Hop, on ramasse le diffuse. On pose, mais j'ai pas de cover, du coup, je vais mourir. Ça passe. Ben ouais. Tu fais quoi, toi? T'arrives après la guerre, mais recharge pas! T'as des balles! Nulaa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 a